Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. On va faire un petit pack opening, après on va faire deux petites attaques et après on ouvrira le coffre à couronne, un petit peu comme d'habitude, voilà. Donc on va commencer par le coffre gratuit. Donc 62 or. C'est normal, voilà. Voilà donc une roquette, bah si t'as envie, une roquette, hein, bah, ça fait pas plaisir du tout. Bon, électrocution, bah ça fait pas plaisir non plus. Alors juste, voilà, je suis à Rennes 6, hein, mais je resterai pas Rennes 6. Et là, tu vas me dire, mais pourquoi tu restes pas Rennes 6? C'est que des avantages. Simplement parce que je suis nul, hein, tout simplement, voilà. Donc, j'ai essayé pendant des heures et des heures de monter à Rennes 7. Seulement, à chaque fois, j'allais à Rennes 7, puis je redescendais, boum, à Rennes... Enfin, j'allais à Rennes 6, et puis je redescendais à Rennes 5. Puis après, je re-allais à Rennes 6, et puis je redescendais à Rennes 5. Et à chaque fois, c'était ça, c'était l'ascenseur, quoi. C'est le mec, il arrêtait pas d'appuyer en bas pour essayer de rentrer dans l'ascenseur, puis moi, j'arrêtais pas d'appuyer en haut pour essayer de monter là-haut, là. Et voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, donc du coup, un deuxième coffre gratuit, c'est parti. Donc, 56 d'or, bah, attends, on va pas se plaindre, hein, ça fait plaisir. Deux gemmes, attention. J'ai eu un mortier, là, ou je rêve, là? Y a quelqu'un? C'est un écran, ça, c'est vrai, je rêve pas. Y'a quelqu'un? Non, mais j'ai eu un mortier, quoi. Eh, ça fait plaisir. Bon, j'utilise pas, parce que, bon... je sais très bien à quoi ça correspond, le mortier, hein. D'ailleurs, c'est quelque chose que je trouve un peu débile de la part de Supercell. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà, donc électrocution, voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir, parce que j'ai une nouvelle carte. Bah ouais, non, mais ça fait plaisir, au moins, ça fait une carte de plus à la collection. Bah ouais, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc du coup, on va ouvrir un petit coffre gratuit. Bon, par contre, eux, ils sont en arène 5, hein, je vous le dis direct. Voilà, donc hop, donc 6 esprits de feu, ça fait plaisir. Une Valkyrie, bah ouais, ça fait plaisir, voilà. J'en commence bien, tu vois. Là, déjà, c'est déjà un peu mieux, là, hein. Donc 42 heures, ouais. 6 électrocutions, bon, vite fait. Un cochon, ça fait plaisir, bah voilà. C'est génial, là, on commence bien. 39 d'or, bah ça fait plaisir. 2 canons, ça fait plaisir. 5 flèches. Ça me fait un plaisir. Non, franchement, les flèches sont bien. Les flèches, je les aime bien. Donc, ouais, ça fait plaisir. Donc, voyons ce qu'on a d'autre. Donc, 131 d'or. Yeah, c'est pas mal, ça. C'est pas mal. 2 chevaliers. Mm-hmm, pourquoi pas. 1 électrocution. Ouais. Enfin, 5 électrocutions. Ouais. Oh, mais c'est bon, ça. 2 mousquetaires. Je sais pas pourquoi, mais je sens... Tu vois ça. Tu respires comme ça. Et tu sens les pics derrière, tu vois. Allez. Ah, dommage, barbare. Bon, j'ai eu des barbares, ouais, c'est déjà bien. C'est déjà bien, mais c'est pas non plus exclusif. Hein. Non, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Il y a quand même un moment où il faudrait que je songe à améliorer quand même lui, là. Et la horde de gargouille. Hein. Il y a peut-être moyen que je fasse un deck avec. Enfin bon. Pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là-dessus. Et puis, on se retrouve tout de suite pour les combats. Allez, c'est parti. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tout simplement jouer à Clash Royale. Mais je rigole, je déconne. Je sais que j'ai déjà fait l'intro, bon, pas besoin non plus de se foutre de moi quoi. J'ai fait exprès, tu vois, c'était pour déconner mon petit. Regarde ça. Whoop. Enfin bon, nickel. Mais regarde ce qui est encore plus beau, c'est ça. Ça c'est encore plus beau. Bon, ça aurait pu être encore plus beau s'il serait un peu manié quoi. Allez, c'est parti, les gars. Alors là il est mort. Il y a le petit sort de rage qui va au KLM. Et boum, il n'y a plus de tour. Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Oh là là, et franchement, ça fait plaisir ce deck. Alors, c'est soit tu perds, soit tu gagnes. Non, c'est logique. Eh, il peut y avoir une égalité. Ah, tiens, pas bon ça, celle-là. Hein. Non, mais en gros, il y a tellement pas de défense sur ce deck. Ah bah t'as un gros risque de perdre en fait, hein, voilà. Au niveau de la défense, c'est pas ce qu'il y a de mieux, tu vois, donc c'est pas exceptionnel, hein. Donc il y a forte chance que tu perdes à cause de la défense qui est vraiment catastrophique. Voilà, on va se le dire, elle est catastrophique. Donc du coup, voilà. Mais bon, tu peux quand même gagner si t'arrives à bien gérer, quoi, hein. Tu peux quand même gagner un minimum. Mais ça m'étonnerait. Donc c'est parti, vas-y, hop, tu peux la tuer. Oui, non, mais encore. Mais non, c'est dégueulasse. Oh, le bombardier là, tu fais pas honneur à ton explosif. C'est pas bien ça. Non mais je le retiens.
Et attention, hein. Attention, parce que je le retiens, et attention. Hein. Alors vous allez voir, là, pourquoi j'attaque la troisième tour et pas la deuxième? Et parce que c'est indispensable d'attaquer la troisième tour, parce qu'on n'arrivera jamais à prendre la deuxième et la troisième après. Voire même en prenant la deuxième, on risque de perdre. Donc, vaut mieux direct aller à la troisième, et regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. La 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 la. Tout, 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 tout. Comme je vous ai dit, c'est le deck surprise. Et boum, surprise, 3 étoiles. Voilà donc, hop, là, je lui fais croire qu'il est à l'avantage, il prend 2 étoiles, mais on s'en fout, tu vois. Et boum, 3ème étoile, mon petit. Ça qui est bon, enfin, 3ème couronne, mais c'est pareil, tu vois. Bon, en attendant, on va attaquer une petite deuxième fois. Et puis après, on dira, on vous dit à tout de suite. Allez, c'est parti. Eh, c'est parti les gars, on est toujours à Arène 5, plus à Arène 6, bah ouais, voilà quoi. On vous l'avez vu dans le gameplay d'avant, hein, qu'on était pas à Arène 6, nanana, nanana, enfin bon, on s'en fout un peu. Alors ce qu'on va faire, on va mettre, je sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre le géant, comme ça, je sais pas pourquoi en fait, je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre le géant, gargouille, enfin, petite troupe quoi, petit truc de n'importe quoi. Oh là là, il a tout ce qu'il faut pour me contrer quoi, le monsieur. Non mais c'est pas bien ça, moi je vais porter plainte, hein, il y a un moment, faut arrêter, de faire n'importe quoi, s'il vous plaît, hein. Non, mais c'est pas normal, ça. Pourquoi il est exact niveau 7, lui? L'autre, il a un chevalier que niveau 7. Bon, bah, tant mieux pour moi. Voilà. Alors, il a des rares niveau 5, ça fait plaisir. Au moins, elles sont pas très puissantes. Oh, regardez-moi ça un peu. Oh là là là, mais je lui prends, mais d'où? Alors, il a mis le canon juste là. Il s'est pas dit, tiens, peut-être que le monsieur va attaquer de droite. Bah, merci beaucoup, gros, hein. À quoi que, au final, le canon, il disparaît, quoi. Ouais. Bon, j'attaque de gauche ou de droite, là? Allez, on va faire un minimum de défense. Allez, c'est parti. On attaque de gauche. Alors là, en espérant qu'il ait rien d'aérien, sinon direct. Non, c'est bon? Nickel. Enfin, rien d'aérien. Rien en groupe. Sinon, direct, j'aurais fait ce que je pense. Alors là, regardez-moi ça. Là, c'est meurtrier. Pouf! Hop là, salut mon petit! J'adore ce deck. Parce que ce deck, certes, tu peux beaucoup, beaucoup perdre parce qu'il est très immaniable. Il est immaniable. Il est très peu maniable, voilà. C'est ça que je voulais dire. Mais alors là, mais qu'est-ce que tu te fais plaisir quand t'arrives à les avoir, tu te fais plaisir. Franchement, tu te fais plaisir. Voilà, donc c'est parti. Hop, oui, maximum de défense, les gars. Bah alors pour l'instant, je rempile pas parce que j'aurais pas assez d'élixir pour vraiment rempiler. Donc je risque de me mettre. Comment te dire, me mettre dans. Je risque de mal être bien, quoi. Enfin, quand. Ah, j'arrive pas à. Je risque de me mettre dans. Le mauvais côté, voilà. Bon, alors là, on arrive dans le speed. Je risque de mettre dans le mauvais, quoi. Je risque de perdre à cause de ça. Voilà, en gros, une action interdite, on va dire. Non, franchement, il y a des fois, je sais pas trouver les mots des fois. Hein. Alors, regardez ça un peu. Oh là là, c'est magnifique. Franchement, vous avez vu tous les dégâts que j'ai fait? Oh, j'ai bien fait d'envoyer le bombardier, vous avez vu? Oh, non, c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, non, mais c'est beau, c'est beau. C'est très, très beau, hein. C'est ouh, c'est magnifique. Hein. Bon, en attendant, on va essayer quand même de rempiler. Alors là, on va bien, bien rempiler, là. Hein. Là, c'est clair qu'on va rempiler. Donc, on va essayer. Alors là, il remet son canon. Par chance, on sait jamais, des fois, ça peut faire quelque chose de mettre le canon. Il a toujours pas compris que ça servait à rien, mais bon, c'est pas grave. Si, ça fait quand même un minimum de défense. C'est vrai que ça fait quand même un minimum de défense. Mais nous, on arrive quand même derrière à tout casser. Pas parfait, y'a que tout cassé. Donc, on va mettre ça. Donc là, on va arriver dans la minute spéciale. Pas de soucis, gros, pas de soucis. Arrive dans la minute spéciale. Alors là, Alors là, franchement, regarde ça. T'arrives dans la minute spéciale? Pas de soucis, gros. Regarde ça. Je laisse faire. Tranquille, je mets mon petit sort de rage. À la limite, allez, je mets ça. Ah, il en a encore, mais il vient juste de les mettre. Il a juste envoyé un cochon, quoi. Bon, c'est pas très grave. Allez, c'est parti. Ah, dommage, de pas loin. Bon, en attendant, il sait qu'il est foutu. Hein. Là, il peut rien faire. Là, il sait qu'il est foutu. Là, il sait qu'il est mort. Donc, c'est parti, maximum de dégâts. Donc là, alors, ah, d'accord, le petit poussage grâce au cochon. Non mais pas mal, franchement pas mal, bonne petite technique. Genre de truc, pareil avec le prince, hein, vous pouvez le faire si vous voulez. Avec le prince, vous mettez une troupe qui est très lente comme le géant par exemple. Et vous mettez le prince, boum, ça le pousse mais d'un coup, c'est genre un sort de vitesse quoi. Alors là le ballon par contre il est pas avec moi là. Mais je m'en fous, j'ai gagné. Wouh. Tout cassé. Tintintin. Et en plus le ballon on dirait qu'il détruit la deuxième tour. Il est très en colère. Ah c'est trop bon ça. Oh franchement ça fait plaisir. Ah là un bon petit combat, là je l'ai défoncé, ça a été lent, mais je l'ai bien. Ouais franchement bravo. Ah bravo. Enfin bon, en plus il met rip my trophy. Donc rip mes trophées. Franchement, enfin repose en paix mes trophées.
franchement, c'est pile dans le contexte. Voilà, donc du coup, eh ben, à tout de suite. Je vais mettre ça. Bonne chance de quoi? Bonne chance, gros, j'ai pas besoin de chance, mon petit. J'ai pas besoin de chance. Là là, j'en rigole, gros, j'en rigole. Oh, regarde. Ah mince, j'ai pas le sort de rage. Ah mais si, je viens de le mettre. Oh mais qu'est-ce que je suis bête. Oh là là. Non, je sais pas, je cherchais le sort de rage, tu sais, mais en fait, il était sur la carte. Je venais de le mettre et tout, quoi. Oh là là, et franchement. Oh, en plus, un coffre d'or. Oh là là, mais... Oh mais moi, je gueule maintenant, moi. Wouh. Hey. Oh là là, en plus 14 d'or, ça fait plaisir. C'est la première fois que je gagne... Non, en fait, c'est pas vrai. Enfin, on va dire, c'est la première fois que je gagne un coffre d'Arène 6. Enfin, un coffre d'or d'Arène 6. Voilà, comme ça, on est sûr que c'est vrai, tu vois. Donc, c'est parti, coffre à couronne, les gars. Attention, coffre à couronne Arène 6. Va-t-on avoir une nouvelle troupe? Ah, on sait pas. Alors, déjà, on a 358 d'or, donc ça, c'est génial. Enfin, je dis l'Arène 6, mais ça se trouve, c'est pas vrai. Ah oui, parce que moi, j'y connais rien. Ça se trouve, c'est pas vrai. Ouais, ça se trouve, il est à Arène 6. Si il se débloque alors que tu es à Arène 6. Là, je suis à Arène 5 en l'occurrence. Donc, bon, certes, j'ai gagné mes trucs à Arène. Enfin, bon, on s'en fout. Donc, ça se trouve, il est que à Arène 5. Ah, je m'enjaille peut-être pour rien. Bon, 2 gemmes. 3 électrocutions. 10 chevaliers. Ça fait plaisir. Voilà, ça, c'est bon, tu vois. Ça, c'est ce que j'aime voir. Tu vois, 10 chevaliers. 4 tours de l'enfer. Non, bon, c'est pas que c'est pas très intéressant, les tours de l'enfer, mais un petit peu quand même. Donc, c'est esprit de feu. Ça, par contre, esprit de feu, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ouais, donc 300. Enfin, ouais, 29 esprits de feu. Franchement, ça, c'est cool. Y a bien un moment, faudrait que je les améliore. Il y a peut-être un moment où faudrait que je fasse une compo mini PK, horde de gargouille. Et puis les esprits de feu avec. Franchement, ça pourrait vraiment faire quelque chose de plutôt pas mal. Faut vraiment voir. Donc moi je vous dis, une prochaine vidéo. Et puis n'oubliez pas, restez cool.